Bâtir un groupe bancaire de premier plan qui participe au financement du développement durable d'une Afrique émergente, c'est l'ambition affichée par Aura Bank Burkina, la banque citoyenne. Pour atteindre ses objectifs, elle cultive certaines valeurs, comme l'approche humaine. Et c'est ce qui justifie cette rencontre d'échange entre les responsables d'Aura Bank Burkina et ses clients corporate, où tous les liens d'affaires, ce cadre d'échange vise à renforcer l'amitié et le partenariat avec les grands clients, et parler aussi de projets d'avenir. Aura Bank Burkina s'est transformée ces 4 dernières années et est devenue véritablement une banque au service de l'économie du Burkina. Nous sommes une banque corporate, nous sommes une banque dédiée aux petites entreprises, aux particuliers. Nous avons remporté 2 années de suite le prix de la meilleure banque du Burkina. Parlant de projets d'avenir, il y a Quiz, la solution digitale du groupe Aura Bank. Déjà lancée au Togo, cette plateforme de business sera opérationnelle très prochainement au Burkina Faso. Également en décembre 2019, Aura Bank va inaugurer sa nouvelle agence VIP qui sera complètement digitalisée. Sa mission, apporter aux opérateurs économiques du pays des produits bancaires et services financiers répondant aux normes internationales. Nous avons lancé notre site de e-commerce. Nous allons déployer d'ici la fin de l'année notre offre Keys qui est dédiée aux entreprises, aux particuliers et aux commerçants. Nous avons raccourci nos délais, nous avons mis en place des facilités pour nos clients. Nous allons ouvrir bientôt une agence VIP dédiée justement à la clientèle VIP, mais également une agence qui sera complètement digitale. Aura Bank, selon son directeur, a réalisé la plus grosse entrée en bourse en 2018 de la BRVM, devenant ainsi la 3e capitalisation boursière de la BRVM avec 277 milliards de francs CFA. Elle a pu lever en moins de 2 semaines 56 milliards pour augmenter les fonds propres de la banque. C'est une banque qui s'est développée ces 4 dernières années avec un total bilan qui a été multiplié par 4.